y est, Laurent, t'as compris pour les claquettes? Wesh, Ryan, tranquille ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai dit, habitons en maître nageur, pas en Pamela Anderson. Bah, rien à voir avec Pamela Anderson, je suis en Philippe Lucas. Ah, Philippe Lucas, l'entraîneur de Mamadou. Ah ouais, ils sont où tes muscles? Ah bah justement, c'est bizarre, ça fait 2 mois que je suis inscrit au gymnase club et je prends rien. Eh, hey, dis-moi, tu vas combien de fois par semaine? Où ça? Bah, au gymnase club. Ah, parce qu'en plus de s'inscrire, faut y aller. Bon, vas-y, mets-toi sur le côté, il y a les profs qui arrivent là. Ok. Bon, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors nous, on est là pour vous redonner envie d'enseigner la natation au lycée. Alors première question, est-ce que vous avez envie? Oui. Calmez-vous, c'est de la natation, faut pas déconner. Alors ce que je voulais dire, très important, avant de se baigner, il faut observer le drapeau. Quand le drapeau est vert... Ça veut dire que l'eau est propre, les professeurs peuvent se baigner. Quand le drapeau est rouge... Ça veut dire que l'eau est sale, uniquement les étudiants peuvent se baigner. Et quand il est bleu, blanc, rouge... Oui, c'est bien, monsieur Koulibaly. Oui, bonne réponse, ça veut dire que tu viens d'arriver en France à la nage. Bon. Attention. Quelques règles de sécurité. Alors c'est très simple. En cas de noyade, intervention rapide. Toujours courir au ralenti, ça évite de glisser. Alors maintenant on va passer à la pratique, on va se mettre en tenue. De rigoler, la natation c'est du sérieux là. Ouais, pourquoi tu rigoles toi? Non, mais attends, t'as vu ta tronche? On dirait que t'as été circoncis de la tête. Bon allez, un peu d'action. Laurent, tu me gardes ça. On va passer aux choses sérieuses. Un peu d'action, on va passer aux choses sérieuses. Dépêche-toi, dépêche-toi. Alors on va tout de suite commencer par enseigner toutes les nages. Vas-y Steve, va nous faire une démonstration. Attends rien, mais je sais pas nager. Ok Steve, va nous faire une démonstration d'apnée. Ah, attention l'apnée, c'est très dangereux. Vas-y Steve, tu peux remonter hein. Vas-y Steve, tu peux remonter. Oh merde, attention tout le monde, noyade, donc intervention rapide. Attends, mais elle est trop grande cette piscine! Oh Flipper, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Steve est blancé sous un rocher tout au fond de la piscine? Ok, j'y vais, merci les tuyaux! Ah, c'est bon Flipper, merci! C'est bon! Vas-y, dégage, dégage, dégage! Vas-y, vas-y! Steve! Steve! Oh merde! Je vais te faire du bouche à bouche! Ça va, Ryan, c'est toi! Ressaisis-toi! Il faut qu'on donne envie aux profs de continuer les cours, ok? Mais comment on va faire? J'ai une idée, suis-moi!
Jean leur attribue une note au Lascar. On serait resté encore des heures à les regarder parce qu'on avait l'impression d'être au théâtre de Guignol, aux marionnettes, au jardin du Luxembourg, enfants, assis sur nos chaises, en train de regarder les marionnettes. Mais il faut les noter quand même, les Lascars. Une note entre 0 et 20, comme d'habitude, attention. C'est parti. Tout va bien ? Ça va. Ça va nickel. Vous connaissez notre système de notation et pas de natation. 12, plus de 12, vous aurez le droit de revenir dans l'émission, c'est ce qu'on vous souhaite, les Lascars. Moins de 12, ce sera foutu. Attention, au standard de France 2, on n'enregistre plus les SMS, c'est fini. Voici sur 20 la note d'Éric Métayer. 20 oh bah alors là, c'est un peu beaucoup. Hein. Oh si, quand même, c'est beaucoup. Catherine Barma. Merci. Jean Benguigui. Va. Bah non, moi j'ai pas mis 20, moi j'ai mis un joli 17, voilà. Oh bah ça méritait pas plus, vous avez vu leur maillot affreux. Le pire, c'est Luc, quand même, au niveau du maillot. Hein. Ah, c'est mon père qui me l'a prêté. Non, mais c'était bien, mais 20, quand même, c'est beaucoup, Jean. C'était impeccable. Ouais. Dans ces cas-là, on est 20. C'était drôle, c'était bien fait. Moi, je suis très ému de voir la qualité de leur travail. Ça m'émeut, vraiment, de voir à quel point ils arrivent à tenir, depuis les cinquantaines de sketchs qu'ils font, avoir cette qualité-là, toujours de l'invention, nous faire rire, nous émouvoir. Bravo. Catherine. Ils nous font une création complète. Voilà. Là, comme vous disiez, on serait cru aux marionnettes. En même temps, ça avait un côté cinématographique. C'est des gens qui se renouvellent tout le temps. Et ils ont un talent fou. Et ça mérite cette note de 20. Muriel Hermine. Et Esther Williams réunis. Voilà. Éric Métayer, très vite. Oui, très très vite. Je trouve que entre ce qu'ils font sur le banc à tchatcher entre eux et ce qu'ils font depuis les 80 ans de Babar et ça, mais c'est tout ce que j'aime dans le théâtre, c'est-à-dire utiliser. Pas de Babas, je tiens à rassurer sa famille. C'est tout ce que j'aime dans le théâtre, c'est tout avec du rien, des petites choses et arriver à nous faire voyager, à faire délire. Bravo, 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 continuez, c'est génial. La note des téléspectateurs en fin d'émission. Non, très rapidement, vraiment. On voulait remercier toute l'équipe qui est derrière, Charles et tout le monde, et puis Luc à la mise en scène. Ce qui compte maintenant, ce sont les notes des téléspectateurs. Termine avec les Lascar Gay. 20, 17, suspense. 19 dans le public, et les téléspectateurs, eux, vous ont donné 17. Pour connaître les coulisses, les secrets, tout ce qui se passe et que vous ne voyez pas sur France 2, eh bien, abonnez-vous et cliquez ici.